François Ramonega. Ce match a été tendu jusqu'à la fin, beaucoup de suspense, vous n'avez jamais rien lâché. Qu'est-ce que c'est qui a fait votre force ce soir? Je pense que ce qu'il faut retenir du match, c'est la solidarité, c'est ce qu'avait demandé le capitaine, et je crois que c'est ce qu'on a fait. Je ne crois pas qu'on puisse parler vraiment de jeu, parce que ça a été serré, c'est peut-être même plus Narbonne qu'il a fait sur la feuille. Donc voilà, ce qui nous a permis de l'emporter, c'est la solidarité sur tout le match, et de rien lâcher, de s'accrocher jusqu'au bout, parce que voilà, le match était intense, on sait qu'ils jouent un petit peu leur vie. On a connu ça aussi, donc on sait ce que c'est, et voilà, on a réussi à tenir par la solidarité. Physiquement, ça a été rude. Dans l'engagement, dans le combat. Oui, comme je vous dis, déjà, ils ont une grosse équipe, solide, et puis motivée pour se maintenir en Pro D2. Donc voilà, une grosse envie, associé à un gros physique, voilà, ça fait un gros match, donc voilà, difficile. Il y a eu quelques petits passages à vide, parfois en défense, qui vous ont coûté cet essai et qui vous ont donné pas mal de frayeurs. Ouais, mais dû encore une fois au jeu des Narbonnais, je crois qu'on peut leur tirer le chapeau par rapport à ça, parce qu'ils ont quand même un jeu qui est bien huilé. Avec voilà, un enchaînement avant trois quarts qui se passe assez bien, qui nous a mis à mal. Donc bon, malgré tout, on a quand même réussi à tenir parce qu'ils ont fait quand même de belles offensives. Donc une fois, on a lâché, mais dans l'ensemble, on a quand même tenu. Je crois que ça reste la défense un point positif de ce soir. Comment vous avez géré cette fin de match, ces dernières minutes, hein? Quelles étaient les consignes? Comment vous avez fait justement pour les contenir? Moi, j'étais sur le bord, donc j'ai pas... Vous l'avez vu, quoi. Je n'ai pas géré grand-chose, mais ouais, j'ai l'impression qu'ils se sont envoyés. Ils n'ont rien lâché, ils ont défendu leur ligne et défendu le point qu'on avait d'avance. Et voilà. Il n'y avait pas de consigne particulière à boucher tous les trous et jouer au maximum. Mentalement, ça va faire du bien quand même. Oui, exactement. Comme on va dire après Carcassonne. Exactement, ouais. La semaine dernière, un derby aussi compliqué à l'extérieur, qu'on mène pas trop mal, mais qui nous échappe sur la fin. Donc on ne voulait pas revivre le même scénario. Et c'est encore une fois ça, le point positif, c'est que malgré que ça soit serré à la fin, on occupe un petit peu, on arrive à faire une ligne, à défendre, et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Encore une fois, le coaching a porté ses fruits. Oui, bien sûr. Ça a apporté de la fraîcheur. C'est toujours important quand les remplaçants rentrent et que le niveau ne baisse pas et que l'intensité reste la même. Et je crois que ça a été le cas ce soir. Parfait, merci.